Et je suis très heureux aujourd'hui d'être à ses côtés pour ensemble annoncer cette réforme historique majeure. Cette réforme vise à franchir ensemble une nouvelle étape. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'écho. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UMOA.